Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une vidéo Get Ready With Me, Chit Chat, où on va parler de vos unpopular opinions. Je sais pas si je parle un peu du nez, je viens de me poser la question parce que je suis malade. Ça fait pas mal de temps que je vous ai demandé de m'envoyer vos unpopular opinions et du coup je vous l'avais demandé sur Instagram, donc c'est très important de me suivre sur Instagram. Ça, j'ai encore un peu les cheveux mouillés. Bref, un peu une cata, je sors de la douche, je vous jure, j'en peux plus d'ailleurs. Donc je vous en parle, c'est grave dur de gérer YouTube et les cours cette année, encore plus que l'année dernière, je vous jure, c'est une cata. Je prends tout, hein, même si c'est des unpopular opinions ou pas, je prends tout ce que vous avez dit, parce qu'il y en a qui vont dire mais c'est pas une unpopular opinion. Bref, je prends tout ce que vous m'avez envoyé, franchement je fais pas la distinction. La première unpopular opinion, c'est les habits avec le logo, avec le gros logo Fila Champion, etc. Genre, oh, je peux pas. Personnellement, je vais vous dire que j'aimais trop ce genre d'habits, genre avant. Genre franchement il y a un an de ça à peu près, je voulais que toute ma garde-robe soit faite de t-shirts, de pulls, de gros sweats avec ce genre de logo là. Au final, j'en ai jamais trop acheté parce que trop cher pour ce que c'est, etc. J'en ai jamais trop acheté, un peu la flemme, tout ça, tout ça. Honnêtement, le peu de vêtements qui me restent comme ça, genre t-shirt, sweat et tout, avec vraiment un gros logo dessus, je me suis un peu lassée. Je sais pas, j'aime, moi aussi j'aime de moins en moins, honnêtement. Donc du coup, ensuite, Griezmann, vraiment trop laid. Je regarde là parce que j'ai tout un peu leur opinion là. Alors, eh, ça, je suis d'accord sans être d'accord. Ça dépend grave de ses cheveux, de... ça dépend grave de vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Genre, je suis en mode, oh, pourquoi tu fais ça? Et des fois, je sais pas, je trouve qu'il est quand même mignon, en mode, je sais pas, un peu du charme. Après, moi, je suis grave pas le genre de meuf à tomber amoureuse des footballeurs et tout, franchement, je m'en fous de ouf. Je suis pas du tout maquillée avec cette palette-là, c'est juste parce que le miroir est grave pratique. Et sinon, je remercie de fou mes potes pour m'avoir offert cette palette-là pour mon anniversaire. Voili voilou, en plus de ça, j'ai quasiment plus d'anti-cerne. Ensuite, j'aime pas le fluff. Alors franchement, qui se rappelle du fluff, vraiment, c'était trop ma vie quand j'étais au collège, je dirais. C'était juste que c'était super à la mode et que j'avais eu trop envie de tester. Et honnêtement, j'aimais bien, mais à petite dose, parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas le fluff, c'est genre de la pâte à tartiner. Mais en fait, c'est du chamallow, du marshmallow. Bref, un des deux, c'est la même chose, je crois. Bref, du coup, c'est super vite écœurant. Je sais pas trop si c'est un unpopular opinion que t'aimes pas le fluff, j'en sais rien. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il aime pas la Casa des Papel. Ça, en fait, je sais pas si c'est un unpopular opinion ou pas. Parce que c'est vrai que la Casa des Papel, genre quand c'est sorti, tout le monde était en mode waouh, c'est un truc de ouf et tout et tout et tout. Et genre, je sais pas, d'un coup, ça. Je sais pas, je trouve que ça a flop d'un coup la Casa des Papel, enfin, entre gros guillemets. Hein. Je pense que les gens ont grave été trop saoulés par cette série parce que. Bah en fait tout le monde en a trop parlé d'un coup, il y a eu trop de trucs autour d'un coup, trop de genre les reprises et tout, les musiques autour, oh mon dieu, une horreur. Les gens qui sont arrivés après tout cet engouement de la Casa des Papel, soit ils la regardent la série et ils se disent c'est pas aussi bien que ce qu'on m'a, enfin ce qui était prévu quoi, parce qu'il y a tellement un engouement autour que à mon avis tu t'attends à un truc de ouf, dingue, surtout que la série là est grave comparée à Prison Break. Même moi honnêtement je la compare un peu à Prison Break et du coup tu t'attends à un truc de ouf. Et je pense que du coup t'es plus facilement déçu que si tu l'avais regardé de base sans trop d'avis et tout. Les Balenciaga, elles sont moches. Alors déjà tu parles de quel Balenciaga? Si tu parles des Balenciaga chaussettes, voilà, bref, voilà, on se comprend, hein, moi je connais pas le vrai nom des chaussures honnêtement. Les Balenciaga, la chaussette, franchement je les aime bien, mais pareil faut qu'elles soient grave bien portées quoi, parce que si elles sont pas bien portées, oh ça fait, non ça serait pas beau, enfin franchement c'est des, ouais c'est des chaussures à bien porter. La marque Fenty Beauty surcotée pour ce que c'est. Franchement je suis grave mitigée sur ça parce qu'en fait la marque Fenty Beauty il y a grave des trucs bien et grave des trucs grave moins bien. Moi franchement je pense avoir pas mal testé la marque Fenty Beauty, j'ai pas tout testé honnêtement. Mais par exemple j'ai testé le fond de teint, j'étais trop dégoûtée parce que je le voulais vraiment. Et on me l'avait offert à mon anniversaire d'ailleurs. J'ai testé et tout, franchement grave bien, genre grave couvrant, grave tout, grave bien. Grave plein de teintes et tout, au top. Au final... et ben donne grave des boutons. J'étais trop déçue en fait, enfin trop dégoûtée en fait surtout. Du coup autre chose que j'adore ma vie, les highlighters Fenty Beauty, enfin genre en fait je pense que vraiment c'est les meilleurs niveaux highlighters. Ils sont si pigmentés, ils sont si waouh, gloss et grave bien. Il y a quoi d'autre comme ça qui est bien? La base, j'ai pas trop d'avis dessus, j'ai grave du mal à avoir un avis sur les bases. Attendez, je mets mon magnifique highlighter et après on en reparle. J'aimerais trop que vous le voyez à la caméra, mais je sais pas trop s'il va se voir et je vous jure que c'est des paillettes mon gars. Mais en fait c'est que des paillettes, c'est un délire. Franchement je pense que c'est pas un highlighter que tout le monde va aimer, mais moi je suis là
et je le kiffe. J'aime pas Harry Potter. Alors il faut savoir que moi, c'est pas forcément que j'aime pas Harry Potter, mais en fait j'ai jamais trop regardé Harry Potter. Je sais qu'il y en a, ils ont regardé tous les Harry Potter 50 fois dans leur vie et qu'ils les regardent tous les week-ends. Harry Potter sans plus, hein. Franchement j'ai grave du mal à accrocher. De toute manière, moi tout ce qui sorcellerie et tout là, j'ai trop du mal. Moi ça c'est grave un peu pour opinion. La bataille, pas de bolo, pas de carbo, c'est grave une bataille que j'aime trop parce que franchement je suis trop entre les deux. Moi perso je trouve que les pâtes boulot c'est grave plus facile à cuisiner et c'est grave plus une valeur sûre parce qu'en fait c'est bon à chaque coup, genre j'ai jamais mangé de pâtes boulot pas bonne, alors que les pâtes carbo je trouve ça grave plus compliqué à cuisiner, genre je sais pas comment dire. Franchement les bonnes pâtes carbo c'est un délire, franchement c'est un délire, c'est trop bon, tu te pètes le ventre, t'en reprends 6 fois. Mon fast food préféré c'est Quick. Genre, quel genre de popular opinion, je suis choquée. Qui a la Quick en 2018, franchement. Il y a une meuf qui m'a dit qu'elle aimait pas Buffalo. Franchement, on est en train de parler de bouffe, là, je vais avoir trop faim. Alors, Buffalo, perso, je sais pas. Mais la dernière expérience Buffalo a été un peu catastrophique. J'ai pris un fish and chips. On va dire que le fish était archi huileux, mais genre vraiment, genre tu le pressais avec ta fourchette et genre t'avais de l'huile qui sortait par centaines de litres un peu dans la bue. Mais je vous jure que c'était hyper écœurant. Du coup j'ai dû en manger genre 2-3 morceaux, après j'ai eu trop mal au ventre, après je me suis arrêtée. Du coup j'ai essayé de manger mes frites histoire de dire que bah, j'avais pas non plus laissé toute l'assiette intacte. Mais bref, après j'ai eu mal au ventre toute la nuit. Du coup là je vais essayer le beauty kit de Naomi Makeup Touch. Donc c'est une édition limitée, j'espère qu'elle est encore dispo, sinon ce serait un peu con. En ouvrant, je vais répondre à la prochaine unpopular opinion qui est ma foi assez décevante. J'aime pas la raclette. Mais meuf, comment tu fais pour pas aimer la raclette? C'est si bon. T'es la patate, charcuterie, fromage. Mais que demande le peuple? C'est la meilleure invention du monde. Vraiment, marche pas. Je comprends pas. Ah! Oh! Oh my god! J'aime grave la couleur. Oh, il est trop beau. Oh, j'aime trop la couleur. J'aime trop la couleur. C'est grave ma couleur. La couleur, j'aime trop. Attendez, je teste. Je suis actuellement en train de tester, hein, vraiment. Vous voyez, il est assez discret. Franchement, il se voit pas des masses. Mais moi, j'aime trop ce genre de vernis là. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. J'ai qu'un seul ongle avec du vernis, c'est vraiment cool. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!